Bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de Radio Chine Internationale. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la francophonie. France, la République en marche d'Emmanuel Macron à la recherche d'un difficile équilibre. À un jour de la fin du dépôt légal des candidatures, la liste attendue dévoilée jeudi de celles et ceux qui porteront les couleurs de la République en marche LRM aux élections législatives de juin reste partielle et reflète la tâche ardue du nouveau président Emmanuel Macron pour, dans le même temps, tenir sa promesse de renouvellement de la classe politique et s'assurer une majorité de gouvernement. Le suspense n'est pas fini. Après la victoire d'Emmanuel Macron dimanche, la représentation jeudi de la liste des candidats de son mouvement En Marche, rebaptisé La République En Marche, LRM, en vue des législatives, était attendue dans l'Hexagone comme l'acte 2 d'une aventure politique hors du commun qui a propulsé un ancien banquier d'affaires de 39 ans sans parti à la tête de l'État français. Les observateurs politiques sont cependant quelque peu restés sur leur faim.